Milo à l'exposition. Ben dis donc, des engrenages, tout comme pour les moteurs. T'as vu vous ça, vous voyez, et là, c'est la manivelle. Regardez, quand on la fait tourner, ça allume l'ampoule. Les enfants, venez voir. Cet objet s'appelle un gramophone. C'est l'ancêtre du tourne-disque et du lecteur CD. C'est une machine volante inventée par Léonard de Vinci. Oh! C'est bien lui qui a aussi peint la Joconde. Oui, Élise, bravo! Comme ça. Moi, j'adore la technologie. Moi aussi, j'aime ça. Oui, peut-être. Mais tout ce qui est scientifique, c'est plus pour les garçons. N'importe quoi. N'empêche que les savants, ce sont des garçons. Regarde. Archimède. Alors, j'ai raison, non? Donc, si tu veux savoir comment marchent toutes ces choses, je peux te donner des explications. Vincent, Élise, venez voir le robot. On peut le faire bouger. Oh oui! Mais attends! Oh. Hé! Hey, mais c'est chacun son tour. Et Élise est arrivée avant toi. C'est pour lui montrer comment il faut faire. C'est juste que Vincent croit que la technique, ce n'est pas pour les filles. Et un coup à droite. Et un coup à gauche. Et un demi-tour. Allez, tourne! Ah! Le robot! Le robot! Il va tomber! Tu veux que l'on t'aide? Oh oui, Milo! Vas-y, prends les manettes! Non! C'est au tour d'Élise! Mais... Bien ça alors. Bravo Élise, tu te débrouilles vraiment bien. Merci. Qui est-ce, maîtresse? C'est Marie Curie, les enfants. C'était une femme savante qui a fait de grandes découvertes. Comme Élise plus tard. Pourquoi pas?